Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo conseil. Donc je vous avais promis une vidéo conseil pour chaque pays visité, mais en fait avant de commencer ça, je me suis dit qu'il valait mieux vous dire de manière générale comment faire et préparer un tour du monde. Alors la première chose, je vais vous dire les 6 erreurs à ne pas commettre. La première chose, c'est évidemment de prévoir votre budget, parce qu'en fonction de votre budget, effectivement, vous ne pourrez pas visiter les mêmes pays de la même façon. Le budget peut varier énormément pour un tour du monde. Pour une personne sur un an, par exemple, ça peut varier de 5 à 30 000 euros, voire plus. Tout dépend des pays visités et du train de vie pendant cette année-là. Au niveau du budget, je vous conseille de faire un calcul qui est assez simple. Donc, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de tout prévoir au jour près, mais de choisir les pays que vous voulez visiter et la durée approximative. Par exemple, si vous voulez partir un an et vous voulez faire 5 pays, 2 mois dans un pays, vous dites sur les 2 mois, ça fait 60 nuits. Sur les 60 nuits, combien en moyenne par nuit? Pour la nourriture, pareil. Pour les transports, pareil. Et pour les activités. Donc au final, vous pouvez cumuler le tout et faire un calcul approximatif de votre budget. Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez terminé de calculer votre budget, de prévoir une marge de 15% sur ce budget. Parce qu'en général, on ne se rend pas forcément compte de tout, on peut oublier des choses. Et il y a aussi cette possibilité d'avoir des imprévus. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des points d'étape durant l'année. Si c'est un an, par exemple, vous pouvez faire un point sur vos dépenses tous les 2 mois pour voir à peu près où vous en êtes. Et si vous avez par exemple dépassé un peu votre budget, ce qui peut très vite arriver, vous pouvez être un petit peu plus vigilant pour la suite. Si au contraire vous avez peu dépensé, vous pouvez vous lâcher un petit peu plus. Alors la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de prévoir un voyage trop court. Quand vous allez définir votre voyage, vous pouvez décider de partir 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, je vous conseille de prévoir en tout cas le plus large possible. Je vous donne un exemple. Moi, je suis en année sabbatique. Actuellement, je suis au 3e mois de mon tour du monde. Et je peux vous dire que la dernière chose dont j'ai envie, c'est de rentrer tout de suite. Là, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et j'ai hâte de découvrir tous les autres pays. Donc, vraiment, si vous pensez que 3 mois, c'est énorme, en fait, c'est très peu. Ça passe très, très vite. Donc, je vous conseille la durée vraiment la plus large possible. Ensuite, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est de prévoir trop de choses, en tout cas de pas prévoir de temps pour tout simplement se reposer et découvrir tranquillement l'endroit dans lequel vous êtes. Et notamment prévoir des temps de repos, parce que si vous avez des trajets, si vous faites par exemple des trajets en avion avec des escales, etc., ou en bus, ça peut être très fatigant. Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, si vous faites des activités épuisantes, de marche. Ou même, par exemple, tout simplement, si vous allez dans un endroit à haute altitude, comme par exemple en Bolivie, vous avez tout l'ouest du pays qui est à peu près à 4 000 mètres d'altitude. Vous prenez la capitale qui est La Paz, par exemple, il vous faut minimum d'une semaine pour vous habituer à l'altitude. Donc voilà, ça ne sert à rien de prévoir vraiment trop de choses. Sinon, vous allez vite vous épuiser, surtout qu'un an, si vous partez un an, c'est très long. Même si ça passe très vite, c'est très long. Et vous ne pouvez pas prévoir de faire des choses tous les jours, sinon vous allez vraiment être épuisé physiquement et mentalement. Alors, la quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir, non, dans la continuité de la précédente, c'est de vouloir prévoir trop de pays, trop de lieux à visiter. Parce que si vous partez un an, et que par exemple vous prévoyez 15 pays, ça veut dire que vous allez changer de pays tous les 3 semaines. Premièrement, vous n'allez pas pouvoir découvrir le pays vraiment en profondeur. Et en plus, vous allez vraiment être épuisé par les transports. Alors, vous imaginez si tous les 3 semaines vous devez changer de pays et à l'intérieur de ces 3 semaines, dans chaque pays, vous devez prendre des bus, etc. Vous allez avoir beaucoup de mal à tenir ce rythme sur un an. Donc, ne faites pas trop de pays. Pour une durée de 1 an, je conseille entre 4 et 8 pays maximum, voire 10, mais vraiment au-delà de 10, ça fait vraiment beaucoup. Ensuite, la cinquième erreur, ça serait en fait de ne pas personnaliser son voyage.
C'est-à-dire que certaines personnes, pour prévoir leur voyage, regardent quelques blogs, forums et vidéos YouTube et veulent faire la même chose que les autres. Mais ça serait une erreur dans le sens où vous devez adapter votre voyage à vos envies à vous. Par exemple, si vous prévoyez de faire des lieux très touristiques parce que vous les avez vus sur Internet, mais que pour accéder par exemple à certains lieux, il faut marcher 10 ou 15 heures à haute altitude et que vous n'avez pas envie de le faire tout simplement, ou faire de la plongée par exemple, c'est des choses qui sont un peu spécifiques et que tout le monde n'a pas forcément envie de faire ou que tout le monde ne profite pas de faire. Donc vraiment, je vous conseille de personnaliser votre voyage et de ne pas faire seulement les lieux ultra touristiques, mais vraiment de regarder un peu plus, même ça nécessite plus de temps, de regarder un peu plus chaque pays pour voir s'il y a des choses un peu moins touristiques que vous souhaitez faire. Alors la sixième erreur à ne pas commettre, c'est de prévoir trop en avance. Si vous partez un an par exemple, vous pouvez pas tout réserver à l'avance, les avions, les hôtels, 6 mois à l'avance. Premièrement, parce qu'il y a toujours des imprévus, surtout dans un voyage aussi long. Et deuxièmement, parce qu'il se peut que quand vous arrivez dans un pays, ben, il se peut que vous l'aimez tellement que vous voulez rester plus. Ou à contrario, si vous êtes dans un pays, vous vous sentez pas bien pour X raisons, ce qui est possible, dans ce cas-là, vous allez rester moins longtemps. Alors la septième erreur à ne pas commettre, c'est que quand vous allez prévoir votre itinéraire, alors bien sûr approximatif, hein, savoir au moins une idée des pays et régions que vous voulez visiter et à peu près combien de temps. Mais surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est de prévoir en fonction de la météo. Je vous donne un exemple, si vous allez en Asie du Sud-Est en mois de juillet-août par exemple, ça va être la mousson, vous allez peut-être moins profiter de votre voyage. Ou par exemple, si vous allez visiter un lieu comme le Salar de Uyuni en Bolivie, donc le désert de sel, si vous voulez absolument voir le désert de sel avec l'effet miroir, le reflet de l'eau, etc., ben vous ne pouvez pas y aller par exemple en juillet parce que ce n'est pas une période où il va pleuvoir et donc vous n'aurez pas cet effet miroir. Donc il faut vraiment, en fonction de vos envies et pour vraiment profiter, se renseigner quand même sur la météo dans chaque pays pour pouvoir bien prévoir votre parcours. Et la deuxième chose, c'est de prévoir un itinéraire qui soit optimisé. Si vous faites par exemple l'Amérique du Sud et que vous allez en Argentine au sud, ensuite vous allez en Colombie au nord, vous retournez au Chili au sud, vous retournez par exemple au Venezuela au nord. Là, vous n'allez pas du tout optimiser votre voyage et vous allez faire des trajets super longs, donc vous allez perdre du temps, vous allez être très fatigué, vous allez perdre de l'argent aussi, donc il faut vraiment optimiser votre voyage pour faire les trajets les plus courts possibles. Alors voilà, c'était les 7 erreurs à ne pas commettre. Maintenant qu'on a vu ce point-là, je vous propose de voir dès maintenant quelle option vous allez choisir. Parce que vous pouvez très bien être étudiant, vous avez fini vos études, vous voulez en profiter pour faire une année de repos. Vous pouvez démissionner, vous pouvez aussi avoir un travail, et dans ce cas-là, vous avez l'option de demander une année sabbatique. Alors, une année sabbatique, il faut savoir que c'est entre 6 mois et 11 mois, on ne peut pas aller en dessous ni au-dessus de cette durée-là. Et pour la demander, il y a des conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut travailler depuis au moins 6 ans. Et depuis au moins 3 ans dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir demander votre année sabbatique. Alors la deuxième condition, c'est de ne pas avoir bénéficié depuis au moins 6 ans d'une année sabbatique, d'un congé pour création ou reprise d'entreprise, ou d'un projet de transition professionnelle. La troisième condition, c'est d'envoyer un courrier recommandé, même si en soi vous pouvez envoyer un mail. Moi, je vous conseille d'envoyer vraiment un courrier recommandé. Vous avez une preuve, c'est le meilleur moyen pour être tranquille. Donc, il faut envoyer un courrier recommandé à votre employeur en demandant une année sabbatique et en précisant le plus important, la date de votre départ qui doit être au moins 3 mois après la date de votre courrier recommandé. Alors, ensuite, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes dans une entreprise de plus de 300 salariés. Dans ce cas-là, si vous respectez les conditions, il n'y a que deux scénarios. Le premier, c'est un accord, tout simplement. Donc dans ce cas-là, je prends un exemple, vous avez demandé le 1er janvier 2022,
eh bien, le 1er avril 2022, vous pouvez partir en année sabbatique. Le deuxième scénario dans ce cas-là, c'est qu'ils acceptent, mais en reportant. Donc le report, il est de maximum de 6 mois à compter de la date de votre courrier recommandé. Ce qui veut dire que si vous avez demandé l'année sabbatique le 1er janvier, pour partir le 1er avril, ils peuvent reporter seulement maximum au 1er juillet. Après, il y a un autre moyen pour être vraiment sûr, c'est que vous demandez le 1er janvier pour le 1er juillet. Et dans ce cas-là, ils ne pourront même pas reporter puisque ce sera déjà à 6 mois. Et de toute façon, ils ne peuvent pas reporter comme ça. Ils sont obligés d'avoir un certain pourcentage qui, de mémoire, est de 1,5% minimum des salariés d'entreprise qui sont eux-mêmes déjà en année sabbatique. Donc voilà, c'est pas si simple pour l'employeur de reporter de toute façon. Et dans la grande majorité des cas, c'est accepté sans report. Alors, deuxième cas de figure, votre employeur est une entreprise de moins de 300 salariés. Et dans ce cas-là, il y a trois scénarios possibles. Un accord. Le deuxième, c'est un report, mais cette fois, au lieu d'être de 6 mois maximum, il peut être de 9 mois. Donc, si vous demandez pour le 1er janvier, ça sera pour le 1er octobre. Et le troisième, c'est un refus qui doit vous être notifié et argumenté. Et c'est vraiment si l'employeur estime que votre départ peut mettre en péril la santé financière de votre entreprise. Alors maintenant qu'on a vu comment demander une année sabbatique, on va voir comment prévoir un voyage de 1 an ou 6 mois par exemple. Alors la première étape, c'est en fonction de votre budget, de la durée prévue de votre voyage, de vos envies, et comme on l'a vu ensemble, des contraintes météo et de l'optimisation de l'itinéraire. C'est de prévoir un parcours approximatif, quel pays je veux visiter, à peu près combien de temps, et dans chaque pays, à peu près quelle région j'aimerais visiter. Vraiment, il ne faut pas se fixer des dates précises au jour le jour, parce que, comme je vous ai dit, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Alors la deuxième étape, ça va être de prévoir comment vous allez faire au niveau de votre logement. Si vous êtes hébergé, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Si vous êtes locataire, il va falloir voir avec votre bailleur s'il y a une période de préavis, combien de temps c'est. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et si vous êtes propriétaire, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez louer votre bien? Est-ce que vous allez le laisser tel quel? Est-ce que vous allez procéder à une vente? Alors la troisième étape, ça va être de prévoir aussi qu'est-ce que vous allez faire de vos affaires. Donc vos meubles, vos vêtements, votre véhicule par exemple. Est-ce que vous allez les stocker? Est-ce que vous allez les vendre? Il faut prévoir ça à l'avance parce que si vous voulez vendre tous vos meubles, affaires, véhicules, etc., ça peut prendre un certain temps. La quatrième étape, ça va être de résilier tous vos abonnements. Donc les abonnements, ça va être par exemple Internet avec le téléphone fixe. Ça va être vos assurances, à l'assurance habitation, à l'assurance auto. Et puis tous vos forfaits, ça peut être Netflix, Bing, etc. Ce que je vous conseille, c'est de regarder vos deux derniers relevés, par exemple, et de checker tous vos prélèvements, voir ce que vous pouvez annuler. Bon, le seul prélèvement qu'éventuellement vous pouvez garder, c'est votre forfait téléphonique. S'il n'est pas trop cher, vous pouvez le garder. Au moins, vous pouvez communiquer avec WhatsApp à l'étranger. La cinquième étape, ça va être de regarder les formalités, donc pour les pays que vous voulez visiter. Au moins de savoir si vous avez besoin d'un visa, parce qu'il y a certains visas qu'il faut demander quand même à l'avance. Si vous avez besoin d'un vaccin, notamment Covid, mais pas que, ça peut être aussi la fièvre jaune, par exemple. Si vous avez besoin d'une assurance santé, notamment pour couvrir les frais Covid, alors il y en a de moins en moins qui le demandent, mais il y en a toujours. Et si vous avez besoin de faire un test PCR ou antigénique pour avoir une preuve que vous êtes négatif entre 24 et 72 heures avant votre départ. À ce sujet, faites très attention. Si par exemple votre test doit être de moins de 48 heures, c'est vraiment moins de 48 heures. Si votre test il a 49 heures, vous pouvez être refusé. Faites très attention à ça. Ça a failli m'arriver une fois, donc faites attention. Et la sixième étape, ça va être tout simplement de réserver votre premier vol au moins. Et puis votre premier hôtel, voir ce que vous allez faire avec plus de précision, au moins vos 2 premières semaines ou 3 premières semaines par exemple, grand minimum, pour être un minimum préparé au début. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez par exemple déjà fait un tour du monde ou si vous êtes en train d'en préparer, que vous avez
plus d'informations, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai très rapidement. Donc on va se retrouver très bientôt pour la deuxième vidéo qui sera vraiment portée sur l'Argentine et je vous dirai mon parcours que j'ai fait en Argentine et ce que je vous conseille, les choses aussi auxquelles il faut faire attention dans ce pays. Et notamment, il y a deux, trois très bons conseils qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent si vous allez visiter l'Argentine. Vous comprendrez mieux pourquoi. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.